C'est tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, donc oui c'est pas le même fond que d'habitude, c'est juste que ma chambre c'est un gros bordel et du coup je savais pas où me mettre pour filmer et en plus vu qu'il est assez tard là, la luminosité c'est pas facile, donc là j'espère que ça ira. Parce que si je suis pas super bien coiffée machin, j'avais vraiment trop envie de filmer, puis au pire on s'en fout, vous êtes pas là pour ça je pense. Et voilà, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé parce que j'avais le bac, donc j'ai pas encore les résultats, là j'avais pas trop filmé. Et j'ai entassé pas mal de trucs, donc du coup je reviens pour un haul. Donc là ce sera un haul vêtements et je ferai sûrement un haul beauté. Enfin de toute façon voilà, il y aura un petit peu de tout là sur ma chaîne cet été. Je vais essayer de filmer pas mal de vidéos parce que j'ai trop envie. Juste je tiens à préciser qu'il y a pas mal de partenariats dans ce haul. Parce qu'en fait du coup j'en ai reçu pas mal dernièrement. Et du coup j'ai entassé et là je me retrouvais pas mal de trucs à vous présenter. Et donc ça vient également du fait que j'ai commandé pas mal de trucs par moi-même en fait avec mes sous. Sauf que c'est sur Amazon et Boohoo. Et du coup j'aimerais bien vous faire des vidéos je teste pour vous. Du coup là il n'y a pas énormément de choses que j'ai acheté par mes sous étant donné que ce sera dans d'autres vidéos. Donc on va commencer tout de suite, il y a des accessoires, des chaussures et des vêtements. Donc je vais pas y aller dans l'ordre parce qu'en fait je les ai tous mis sur ma chaise et je les ai pas mis dans l'ordre des boutiques, du coup j'ai un petit peu la flemme. Donc d'abord j'ai fait un partenariat avec le site New Chic, j'en avais déjà entendu parler dans certaines vidéos. Du coup quand ils m'ont demandé j'ai dit oui parce qu'il y avait des trucs qui m'intéressaient sur le site. Et j'ai pris tout d'abord ces deux coques là, donc si vous me suivez sur Instagram vous les avez peut-être déjà vus. Parce que je les avais présentées dans ma story et je les aime trop trop trop. Elles sont dans d'autres coloris si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elles coûtent 3,42€ la coque et elles sont juste magnifiques. Et ce que j'aime bien c'est que c'est en silicone mais pas non plus fin. Ça reste rigide sur le côté et ça protège bien ici. Toujours dans les accessoires, j'ai ces lunettes de chez Rose Gall. Donc je vous avais déjà parlé de ce site dans une vidéo, je teste pour vous. Et donc là j'ai principalement acheté des trucs pour l'été et donc il y a ces lunettes que j'aime beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit de cette qualité là, enfin je trouve que c'est de la meilleure qualité que ce que je reçois d'habitude. Et voilà, je les aime beaucoup, vous foutez pas de ma gueule parce qu'en plus j'ai une queue de cheval, du coup ça va pas du tout. Elles sont assez grosses, après voilà ça va pas à tout le monde mais je les aime beaucoup et c'est un effet miroir. Coûtait 7,74€, enfin 7,74€. Pour Rose Gall, je vais dire les prix en dollars, mais ça revient à peu près au même en euros en fait. Pour finir dans les accessoires, je me suis pris deux casquettes, donc ça c'était chez New Chic. Mais voilà, elles sont comme ceci, donc là celle-ci c'est juste marqué 424 devant et voilà, derrière c'est basique comme ça. Et l'autre, il y a un petit cactus devant, j'aime trop, et derrière il y a écrit en rouge comme ça. Et voilà, je les aime beaucoup, j'avais envie de casquettes et voilà, du coup je me les suis prises, je trouve ça bien en été et je suis assez contente. Et donc la casquette avec le cactus elle était à 6,31€ et l'autre à 6,25€, donc voilà c'est vraiment pas cher. Et voilà, je les aime beaucoup. Ensuite de chez Rose Gall j'ai commandé deux hauts, donc c'est le même en fait mais dans des couleurs différentes, donc en noir et en blanc. Et voilà, j'aime beaucoup, je pense que vous les voyez un petit peu partout ces hauts là, c'est ceux que vous pouvez mettre comme ceci ou alors en haut normal. Et voilà, ça se met comme ça sur les épaules et j'aime beaucoup, c'est tout simple. Mais si vous commencez à me connaître un petit peu, j'adore tout ce qui est simple. Et voilà, par contre le blanc il est un tout petit peu transparent mais le noir non. Mais voilà, du coup je les aime beaucoup et donc ils ont coûté 13,99€, enfin 13,99€. Ensuite de chez New Chic, alors ça je l'ai reçu tout à l'heure, du coup je ne l'ai pas encore essayé. D'ailleurs dans cette vidéo j'essaierai de vous mettre pas mal de close-up avec les vêtements portés. Il n'y aura pas pour tous parce que enfin vous imaginez bien que ça prend beaucoup beaucoup de temps. Et du coup voilà, celui-ci je l'ai reçu tout à l'heure, donc c'est un t-shirt Harry Potter, c'est plus pour mettre en pyjama parce que j'adore Harry Potter. Et voilà, j'avais juste envie de me le prendre parce que j'adore Harry Potter. Et il coûtait 10€, enfin oui c'est 10,86€ et je l'aime trop. Ensuite de chez Romy j'ai reçu ce t-shirt que j'aime beaucoup, je le trouve hyper original en fait, donc c'est un crop top. La matière est assez épaisse et voilà, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai pas grand chose à dire à part bah, de toute façon vous le voyez et voilà, j'aime beaucoup, je l'ai pris, je me rappelle plus en quelle taille je l'ai pris, il me semble que c'était une taille unique mais je suis pas sûre. Il est plus en stock, du coup je vous mettrai le lien quand même en barre d'infos et vous pourrez toujours aller voir s'ils nous remettent en stock, mais aujourd'hui j'ai été voir et il n'était plus en stock. Et sinon pour le prix il est à 8€, donc voilà c'est vraiment pas cher et j'aime beaucoup et je trouve que c'est la bonne qualité. Il y a un ou deux mois, je me rappelle plus, je suis allée chez Kiabi, donc c'était pour des basiques de base et en fait j'ai trouvé quelques petits trucs que j'ai trouvé sympas. Et qui n'était pas cher surtout, donc voilà, ça faisait hyper longtemps que je n'étais pas allée chez Kiabi.
Et bah, j'étais assez surprise, je m'attendais pas à ce qu'il y ait pas mal de trucs comme ça, même des vêtements de sport, des pyjamas et tout. Et voilà, du coup j'ai pris ce débardeur qui était en promo, je crois qu'il était à 7 ou 8 euros. Donc voilà, c'est un débardeur, là vous verrez pas très bien, mais en gros c'est un débardeur en velours avec de la dentelle ici. Et voilà, avec un beau collier, je trouve que ça peut faire beau. Du site Rosegal, j'ai reçu ce t-shirt, donc c'est un crop top blanc avec bah, des broderies en relief. Il y a des petits trous partout, donc j'imagine que c'est fait exprès. Je ne l'avais pas vu en fait sur le site, je sais pas si vous les verrez là, la caméra. Il me sert un petit peu au niveau de la poitrine, parce qu'en fait c'est un M. Et c'est égal à du S en France si vous voulez. Et du coup, bah, j'aurais dû prendre le L, mais bon, c'est pas grave, il me va quand même, mais je le mettrai quand même. Et voilà, je l'aime bien. Et coûtait 13$. C'est de chez Ramui, donc celui-là, vous l'avez déjà vu dans ma vidéo, je teste pour vous, wrestling, il me semble. J'avais porté ce haut-là à la fin en lookbook, en fait. Et je l'aime beaucoup, en fait, je le trouve assez original. Enfin, original. C'est pas le truc qu'on voit partout, quoi. Et en gros, il y a des lacets sur le côté, c'est un crop top avec un cactus ici. Par contre, bah, pareil, il me sert à la poitrine. Mais c'est pas grave, je l'aime bien quand même et je le mets quand même et voilà, j'aime beaucoup. Il coûtait 9€, donc c'est vraiment pas cher et c'est de la bonne qualité. Donc voilà, c'est top. Donc, toujours de chez Kiabi, je vous disais, j'étais allée pour des basiques, dont un t-shirt noir tout simple, pour mettre avec un short ou voilà, pour mettre avec un petit peu tout en fait, même en pyjama. Et il était à 3€ et voilà, il est tout simple et c'est tout. Ensuite de chez Shein, j'ai reçu ce débardeur que j'aime trop trop. J'ai déjà mis une fois pour aller au restaurant et en fait il se met avec ce truc là autour du cou, vous mettez ça, vous faites un nœud derrière le cou et vous voilà, en fait ça va ensemble et j'aime trop, je trouve ça trop trop beau, j'adore la matière, les fleurs et tout et c'est la vraiment bonne qualité. Il coûtait 9€10, donc je trouve ça vraiment pas cher, vous avez le collier là, enfin l'espèce d'écharpe. Ensuite donc toujours de chez Kiabi, je me suis pris ce haut là, mais en gros c'est un haut col bardo avec des manches 3/4 comme ceci, je trouvais que ça changeait un petit peu, enfin genre rentrer dans un short je trouve que ça peut faire beau. Et il était en solde, enfin en promo vers 7 ou 8 euros je crois. Enfin, ça change un peu de ceux qu'on voit partout je trouve. Et du coup j'aime bien, il était vraiment pas cher et j'adore le noir en ce moment. Il y en a beaucoup dans mon haul mais je sais pas ce que j'ai en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas énormément de vêtements noirs. De chez Shein j'ai reçu ce top là. Donc c'est encore un truc à épaule bardo, oui il y en a beaucoup dans ce haul. Mais voilà c'est l'été et du coup bah... ça me donne envie d'en mettre. Et j'aime beaucoup, c'est de la très bonne qualité je trouve. Je ne m'attendais pas à de la qualité comme ça. J'ai déjà porté 2 ou 3 fois et voilà, je l'aime bien. Il est cool. Il coûte 9€10. Toujours de chez Shein, je me suis pris ce t-shirt. Donc celui-ci coûtait 12,74€. Et si ça vous intéresse, il existe aussi en noir et en gris. Et donc voilà, il est jaune comme ceci. Donc les trous, c'est fait exprès. C'est pas moi qui les ai faits, mais vous le recevez comme ça. Hein. Et voilà, c'est fait exprès pour donner un style, on va dire. Et voilà, il est comme ceci avec une fleur et il est assez épais, j'adore la matière en fait qui est vachement épaisse. Et voilà, je l'aime beaucoup, rentrer dans un jean encore une fois, j'ai l'impression de me répéter. Ensuite de chez Rosegal, j'ai reçu ce débardeur. Donc par contre celui-ci ça va pas, en fait il est trop grand. Je sais pas quelle taille c'est du L et il est trop grand. Donc prenez vraiment votre taille habituelle pour celui-ci. Et voilà, il est échancré sur le devant et dans le dos. En fait il est assez simple mais il est un petit peu long et il est chancré ici. Donc ce qu'il faut c'est que je le recoupe comme ça pour pas qu'il soit trop trop long. J'aime beaucoup la couleur, c'est pour ça que je l'ai pris. Et donc celui-ci coûtait 12,91$. Ensuite donc chez Kiabi je me suis pris bah, ce débardeur là. En fait je l'ai pris en jaune et en noir mais le noir il est au sale. Et pareil c'est un basique, il coûtait 2€, il y a plein de couleurs. Et voilà j'aime bien mettre ça avec un short. Quand vous avez un petit peu la flemme, voilà, je trouve que ça fait bien et voilà, c'est tout simple mais j'aime bien en fait. Ensuite donc tout à l'heure je suis passée chez Tally Weigel et donc je me suis pris ce short taille haute tout simple découpé en bas comme ceci. Et voilà en fait j'en avais pas de tout simple comme ceci, enfin de cette couleur. Et du coup je l'ai pris parce qu'en plus il était à 13€ au lieu de 26€. Donc voilà, ça valait le coup et je trouve plutôt pas mal. Ensuite de chez Rosegal, toujours, j'ai reçu une robe comme ceci. Là, ça va pas rendre grand chose mais vous la verrez portée de toute façon. Et en gros, ça remonte assez haut dans le cou comme ceci et c'est hyper échancré dans le dos. Et voilà, je l'aime beaucoup, je trouve que la longueur est bien. Bon, je mettrai quand même quelque chose en dessous comme à chaque fois que je mets une robe. Et voilà, je la trouve vraiment belle. Et c'est rare qu'une robe me mette en valeur et celle-ci, je l'aime beaucoup du coup. Et voilà, elle est toute simple mais elle est cool. Ensuite j'ai reçu un short, sauf que je ne me rappelle plus le site, j'ai cherché pendant une heure.
dans tous mes mails et tout de quel partenariat ça venait et je ne le trouve pas, donc si je le retrouve, bah, je le mettrai à l'écran. Et ça m'embête un peu parce qu'en plus je l'aime bien, donc voilà. Donc c'est un short en jean tout simple, enfin tout simple, assez simple on va dire, déchiré comme ceci. Il y a des déchirures un peu derrière aussi. Et je l'aime beaucoup, donc je l'ai pris en L, c'est égal à du 38, donc la taille en dessous. Et voilà, j'aurais préféré en XL peut-être parce que j'aime bien les shorts quand c'est assez ample, quitte à mettre une ceinture, j'aime bien que ça soit assez ample. Mais il me va et je l'aime beaucoup. Et voilà, il est assez simple, mais voilà. Ensuite, chez Kiabi, je me suis pris un pyjama. Je ne me rappelle plus du tout du prix, mais je l'ai pris parce qu'il était pas cher. Donc c'est un pyjama short, en fait, comme ceci. Je le trouvais grave beau, en fait. Et du coup, je me suis pris ce débardeur-là pour aller avec. Donc c'est pareil, c'est très simple, hein, mais pour vous dire que vous pouvez un peu trouver tout là-bas. Et c'était vraiment pas cher, ça devait être peut-être 3-4 euros. Et le short peut-être 6 euros, je sais plus, mais enfin c'était vraiment pas cher. Ensuite du site Irisi, j'ai reçu deux vêtements. Donc j'ai reçu un t-shirt que je n'ai pas sur moi parce que je l'ai mis il y a quelques jours et je l'aime trop. Et voilà, j'adore la matière parce qu'elle est assez épaisse, elle n'est pas du tout transparente. La coupe elle est parfaite, il est ni crop top ni long. Je peux le mettre avec tout et j'adore en fait. En fait c'est juste un t-shirt blanc avec une écriture ici, je sais pas combien de fois je dis en fait. Mais bon, et voilà, j'aime beaucoup et c'est de la très bonne qualité. 7$, donc ça fait vraiment pas cher. Et puis toujours de chez Irisi, j'ai reçu ce short. C'est un short comme ceci, brodé. Il n'est pas génial, je m'attendais à mieux. C'est pas de la matière de jean, hein, c'est un truc un peu coton. Pour la taille, c'est du L, donc ça, bah, c'est égal à du L, hein, c'est pas du tout égal à du M. Donc prenez votre taille habituelle, je pense, plutôt sur ce site. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est que le bouton, c'est en forme d'agrafe, en fait. Enfin, voilà, vous voyez quoi. Et il est trop long, donc il va falloir que je le recoupe. Vous voyez, il est beaucoup trop long. Prix, il était à 14,30$. Encore une robe, donc là, de chez Rose Gall, encore. Par contre, je pourrais pas vous la montrer portée parce qu'elle est trop petite. En fait, vous voyez, c'est une robe qui se met sur les épaules comme ça, mais rien que comme ça, vous voyez qu'elle est trop petite. En fait elle est trop petite des bras et de la poitrine, sinon la longueur elle est bien. Donc si vous avez, enfin si vous êtes assez fine d'ici, je pense qu'elle vous ira. Après enfin, je l'ai quand même pris en XL, donc c'est chaud quand même que ça m'aille pas. Mais bon, et je l'aimais beaucoup en fait parce que bon derrière je les ai pas mis du coup vu qu'elle me va pas. Mais ça fait des nœuds derrière et je trouve ça juste trop beau. Et j'ai craqué dessus quand je l'ai vu sur le site, mais bah, vu qu'il n'y a pas d'élastique, bah, ça va pas. Ensuite de chez Shein, j'ai reçu un collier donc à plusieurs rangs que je vous avais mis sur Instagram, du coup je vous mettrai la photo Insta ici. Et voilà, je l'aime beaucoup, c'est pile le genre de collier que j'adore mettre, qui est assez simple, mais qui fait son effet, et voilà, j'aime bien. Il était donc à 7,28€. Ensuite donc de chez Rose Gall, j'ai reçu un t-shirt que j'ai pas sur moi, mais je l'aime beaucoup, c'est un t-shirt tout simple. Je l'ai pris en M il me semble, et ça taille comme du M. Beaucoup, la matière est assez douce, ce qui est marqué dessus ça veut pas dire grand chose. Enfin, je vois pas trop ce que ça veut dire. Enfin, je comprends ce qui est écrit, mais en fait je vois pas le sens du truc. Le genre de t-shirt que j'adore mettre au quotidien. Rentrer dans un pantalon ou dans un short, je trouve ça, enfin voilà, j'adore ça. Je suis très basique, hein, mais voilà, j'adore tout ce qui est t-shirt basique comme ça. Il était à 13$. Ensuite, donc toujours de chez Rose Gall, j'ai reçu un autre short et je l'aime trop. Il est hyper bien, il est pas trop taille haute, il est pas trop court, il est pas trop long, il est parfait. Et je trouve assez original, après on le voit un petit peu sur tous les sites chinois, mais je l'aime beaucoup et c'est du vrai jean et voilà. Et donc le short, il était à 15$, donc je trouve ça vraiment pas cher pour ce que c'est. Et voilà, je l'aime beaucoup. Chez Rose Gall, je me suis pris un legging. Donc je m'en rappelle plus si j'ai fait le close-up ou je le porte. Sinon, je vous mettrai la photo du site. Mais en gros, c'est un legging noir comme ça. Et on en voit beaucoup en ce moment des leggings de genre qui, en fait, sur le côté en bas de la jambe, sont en espèce de... Je sais pas comment dire. Enfin, genre, ils sont un peu transparents, quoi. Et voilà, j'aimais beaucoup. J'avais besoin d'un legging. Et du coup, je l'ai pris. Je l'ai pris en L. Et il était à 15,94$ et voilà, il est cool. Par contre après pour le haut, vous voyez l'élastique en fait il est assez petit. Et donc pour finir, les deux trucs de la vidéo qui sont les pires, c'est des pantalons. Donc celui-ci vient de chez Remui et celui-ci vient de chez Rose Gall. Pareil déjà, celui-ci n'était pas, enfin n'est pas coupé ici. Et celui-ci bah, il est coupé mais il n'était pas assez long le trou. Donc je vous conseille vraiment pas de prendre des pantalons coupe mom sur ces sites là parce que je comprends pas en fait, c'est énorme au niveau d'ici, vous voyez, c'est hyper grand au niveau d'ici, mais par contre mes jambes ne rentrent pas dedans, donc je ne comprends pas.
Et voilà, même ma mère qui fait deux tailles de moins que moi, elle l'a essayé. Et ça fait vraiment bizarre. Enfin, il y a des endroits où ça va, il y a des endroits où c'est beaucoup trop grand. Et en plus, il était à 32,51 $, voilà, sur Rosegal. Et puis donc le deuxième, c'est un Rome 8 qui était à 17 €. Et j'avais trop envie qu'il soit bien et tout. Parce que je le trouvais tellement beau sur le site. La mannequin, ça faisait trop beau sur elle. Sauf que ça n'a rien à voir en vrai. Donc en vrai, bah, c'est comme l'autre en fait. Il y a des endroits où c'est assez large. Et des endroits où c'est trop petit. Donc voilà, je sais pas si ça vient de moi, mais enfin, ma mère c'est pareil du coup, voilà. Donc voilà, ils sont très très mal coupés, je vous les conseille vraiment pas, et voilà pour ça. Et puis du coup, on finit la vidéo avec les chaussures, j'ai deux paires à vous montrer. Tout d'abord, chez Kiabi, je me suis pris ces espadrilles qui étaient à 13 €. J'ai jamais eu d'espadrilles, c'est mes premières, et je les aime beaucoup en fait, je trouve qu'elles font assez classe. Donc elles sont en espèce de faux suédine, enfin je sais pas trop. Et avec des œillets sur le devant, je sais pas si vous verrez bien. Et j'aimais beaucoup la couleur nude comme ça. Et voilà, j'avais envie de chaussures un peu qui changeaient des baskets pour l'été sans que ce soit des sandales, parce que j'aime pas couvrir les doigts de pied. Et puis pour finir, je me suis pris des Converse rouges. Donc il y a quelques mois, je vous avais parlé des Converse noires hautes comme ceci. Et je les mets tout le temps, je les adore. Et du coup, je me suis pris les rouges sur Zalando. Et je les aime énormément. Par contre, je vous conseille de prendre une demi-pointure en moins. C'est celle que vous faites d'habitude, enfin moi je prends du 39,5 en Converse. Et voilà, elles sont trop trop cool, je les aime trop. Et bon, je les ai pas énormément mises parce que vous pouvez pas les mettre avec tout. Mais je les aime beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé, que ça aura pas été trop trop long. Je vais essayer de vous montrer le maximum de trucs portés. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, qu'il y aura des pièces qui vous auront plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire, à me dire les pièces que vous avez préférées, à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et que vous avez bien aimé la vidéo. J'ai peut-être un peu l'air fatiguée tout dans cette vidéo, je souris peut-être pas énormément, mais en même temps je sors des épreuves du bac et j'ai eu des soirées et tout, et du coup j'ai très peu dormi récemment. Je suis en manque de sommeil, mais j'avais trop envie de faire cette vidéo et voilà, ça manquait trop de filmer. Parce que en fait les dernières vidéos que je vous avais postées c'était des vidéos pré-filmées et du coup ça faisait super longtemps que je ne m'étais pas retrouvée en face de la caméra. Je suis super contente là d'être en vacances pour pouvoir filmer plein de vidéos. Et voilà, sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye !